La pandémie de Covid-19 est la pire crise mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale, a estimé hier le secrétaire général de l'ONU. Aux États-Unis, le nombre de cas s'est brutalement accéléré. Donald Trump a pris la parole hier soir pour prévenir les Américains que les deux semaines à venir seraient très douloureuses. Je veux dire à tout le peuple américain de se préparer pour les prochains jours. Les deux semaines qui arrivent seront très, très difficiles. Selon les prévisions, nous espérons voir le bout du tunnel à ce moment-là, mais ce sera douloureux quand on voit le nombre de morts que provoque cet ennemi invisible. On sait que ça sera dur, mais c'est avec amour et courage que nous allons surmonter cette période. C'est l'heure pour les Américains d'être soudés.